bonsoir. Cela dépend à la heure à laquelle vous allez nous suivre. Et bienvenue encore une fois de plus à votre émission Coup de projecteur. Et nous vous remercions encore une fois de plus d'être fidèles à votre chaîne YouTube qui est Como Dialogue, la chaîne qui vous informe autrement. Merci à Madame Francine Gembe de la Belgique. Moi, c'est Apim Ndega Balobaga. Et merci à vous, chers fidèles internautes et à fidèles, toujours au rendez-vous pour suivre votre émission Coup de projecteur. Aujourd'hui, Coup de projecteur, au fin de réfléchir, on a beaucoup réfléchi sur le mouvement de grève au niveau de notre pays, à Kinshasa précisément, et lequel mouvement où ils allaient cotiquer un curiosité nabiso, ils allaient mingi ma chaîne où ils allaient réputer ma chaîne hier et d'aki pro pouvoir ma chaîne où ils allaient qui dirigé par de mains de maître yabat bazaki qui pleinement à pouvoir dans Katia Congo RDC qui entre guillemets jusqu'à aujourd'hui semble avoir des power baza quand même la voix force moroboé. Quand on parle d'une force, on voit non seulement force sur le plan, il y a positionnement là-bas, sur le plan politique, mais c'était aussi sur le plan pécuniaire, sur le plan financier. Curieusement, on a vu une succession, il y a mouvement, il y a grève, oui, Salamaki, qui a fait la honte, il y a monde nabisso médiatique, et comme disent les Français, mieux vaut tard que jamais, information est pour la rater. Nous, coup de projecteur, on n'avait pas eu voulu qu'on évite en besogne, mais étant donné que c'est une information, nous avons eu le temps de faire des réflexions approfondies pour chercher un peu à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans les milieux médiatiques pour les milieux moko sali, milieux moko déconsidérés dans le niveau de Mboka Nabiso. Or, le média, où ils allaient compter parmi le quatrième pouvoir, ils ont mérité importance, ils ont mérité considération de la part des autorités et pays. Nous avions vu les agents, il y a Télé 50, cette télévision, Oyo, Bisogno Sonakongo, tu es bien au que les alliés, télévision, il y a Oyazaki number one, Nicolas Utigoleka, il y a Moka, sans toutefois citer dedans, mais les Alaki, Babimisagi Moutou, en avant-plan, pour nous masquer, qui était Jean-Marie Kassamba. Chaîne Wana te bien qu'il y a chaîne, il y a pouvoir. Chaîne Wana et Zalaki, rien que pour nous là, le culte de l'autorité, il y a le président qui était en place. Et vous savez, quand vous vous y passez, avec des propos déplacés, beaucoup plus là je m'adresse à Batuya, il y a opposition, bah, Zalaki vraiment. Welcome, Tebaki, bienvenue dans la chaîne Wanate. Parce que conducteur Nabango et à télévision, ils ont beaucoup plus taillé sur mesure, rien que pour faire des éloges, rien que pour faire des djalélo, comme on disait à l'époque de Mobutu. Il y a le président qui était au pouvoir il y a l'époque. Alors, ces DG qu'on avait mis en place pour gérer Télé 50, qui sur le plan technique, il faut applaudir, sans pour autant que nous avons toujours une tendance à la négativité. C'était une télévision et il y a qui quand même a une manière de faire, une manière, il y a bien Roussa Moussala, c'est vrai, parce qu'il y a eu le paquet, surtout que y a qui chaîne Oezali Yamoutoyo, Tobo Tangakombo Boyebi, c'est lui qui était à la tête du pays. Mais, chose étonnante, les agents et cadres, il y a une telle chaîne où on est comme ça, la Misala, au profit, il y a pouvoir qui était en place, au profit, il y a la personne qui était à la tête de ce pays, qui est la RDC. Bako Mati, à niveau, il y a arriéré à 11 à 14 mois d'arriéré de salaire. Quelle honte! Quelle humiliation! Il y a Bissot Batu à Média. Quelle humiliation il y a bateau bakéi kotan la classe. Bah là la raté parce que pour votre information,
journaliste a considéré le rôle militaire, a considéré le rôle médecin. Même mou les obéta, même quand le crépitement, il y a balle, les salama, la détonation, il y a canon, le journaliste est toujours là pour aller à la recherche des informations. Pour nous couper sa bino, il y a un tout à l'abus aux fans, nous avons un colo à table, nous avons la jus, nous avons la vodka, nous avons la shawarma, nous avons la KFC, nous avons la McDo. À l'aise, surtout à la maison. Tu suis les informations. Au total, le programme ou la télévision pour te détendre pendant que ça va être 5 heures, 4 heures, tu vas là. Pour nous couper Sabino, ce programme que vous, au Botalaka, tu l'as raté. À tout moment, nous sommes à la recherche des informations. Mais pour qu'à la fin de compte, le dirigeant, il y a la chaîne, il y a la chaîne. Et ça a beaucoup plus pour nous. Bah, avantage, il y a Bassi, il y a 4, 5, 6e bureau. Bah, voyage, il y a exotique, à l'étranger, au Boumé, sans toutefois penser plutôt, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a 11 à 14 mois, la chaîne, où ils allaient pro pouvoir. Et Jean-Marie Kassamba, qui se disait être civilisé. Et d'ailleurs, bateau batelé miona au tozo taktolo lak sabino na ba déclaration basali bazaki libre comme de l'air et ce sont de gens au na Congo na Kinshasa ba yebai que baza ba bras droit ba pire petit na yene ba wana Kinshasa mais curieusement ba bimi na balabala c'est pour dire que ils en avaient ras le bol. Comment voulez-vous mouto azali responsable père de famille marié locataire fafuta ndakuya batu 11 à 14 mois impayé. C'est une goutte qui a fait déborder la vase. Tout là nana nous ba déclaration ya bande Congo ba confrères et consœurs na biso la télé 50 et c'est vraiment avec la peine qui était là au loba. Parce que notre Moussala, notre travail, les a méprisés, les a foulés aux pieds par des gens qui se prétendent être au service de la nation. Madame Francine Nguembe de la Belgique, est-ce que Moussala est opposé à informer Batou, à divertir Batou, à former Batou, à avoir une émission et à télévision? Tout ça, ma bé. Tout ça, c'est ma bé. Pour nous informer, pour former, pour divertir, il y a un rôle à la télévision. Je crois que c'est un métier noble, ils ont mérité la considération. Il y a un métier, il y a un enseignant. Et tant que ça va plus, 1 plus 1 égale 2, T plus A égale TA. Ils ont la considération. Comme le militaire aussi. Vous, quand vous êtes en train de dormir, ces militaires-là, ces policiers-là, rôdent. Patrouille pour que l'ennemi a touché binoté babat et l'abuso. Et quoi de plus simple et que considérer Misala Abatou? Suivant, on se retrouve juste après. Maman, à vous. Chasse aux sorciers. En fait, tu réclames qu'il y a 11 mois, il y a 14 mois d'abuso et salaire, comme on devrait le faire, parce que c'était de trop. Tous en avons père de famille, tous foutara baloyer, n'abiso, tous en avons besoin, n'abiso miki, il faut tous satisfaire. 11 mois, 14 mois, tous kangama ki singana kingo, alors on n'en pouvait plus. Tous miki ko solo là à l'interne, tous miko signifiait que tous au kokate, bazo ki pe bisoté. Né à moi là, tous bimaki nanzela, tous bimi nanzela, pour nous réclamer ba salaire n'abiso. Heureusement, PCA aye, Moïse et Kanga, tous trouvé compromis parce que tous réclama ki makamumi balé, tous réclama ki ba installé banc syndical. Parce que tu es là, tu es suspendu à tout, n'importe comment. Alors, tu as besoin, tu as besoin de protéger Bissot, sécurité professionnelle, sécurité sociale. Tu as besoin, il y a Makambouana, tu as besoin de faire un salaire, tu as besoin d'une installation et de banque syndicale. Tu as besoin de PCA en 10 000, DGP en 10 000. Donc, c'est pas grave.
Donc on a repris le travail, suspendre l'émission. La plupart sont totalement, il y a grévistes. Pourquoi? Sans raison. L'émission, on a, image de télé 50. Suspendre en gros, arbitrairement, kakaboye, parce qu'il y a assez pelinaye que, biso, donc, Tout ça, du moment où nous l'avons désavoué, c'est-à-dire nous ne le reconnaissons plus, voilà. On fait passer le cet élément-là dans la chaîne. C'est nous qui dirigeons maintenant la chaîne. Voilà. Pas un coup d'État. Non, pas coup d'État du tout. Il n'était qu'agent comme nous, mais placé plus haut. C'est-à-dire on a le conseil d'administration. Il y a Télé 50, les gens qui battent les Goloana. Qui peut payer. Donc, c'est ce qu'on doit reconnaître. Et puis, il y a un qui s'appelle pas Molière, tout ça, les campagnes. Il y a candidat FCC, Manuel Ramazan Chada. Le journal de la campagne, il y a un peu de Molière. J'étais l'un des présentateurs. Bon, on a un bima. Attends, un 4 jours. Mais vous êtes société, papa, tu as un salaire. Tout ça, qui ont comme agent télé 50. Avec quel matériel? La preuve, Mbappé, ça qui est Mbongo, pour mettre en place la campagne. Autre élément, c'est qu'il n'y avait pas que Zéla, il n'y avait pas que les agents Télé 50. Il n'y avait pas que les agents Télé 50. Toi qui n'as battu à RTGA, toi qui n'as battu à Digital, toi qui n'as battu à King 24. C'est quoi, on peut voir comment il y a agent Télé 50 le temps à la campagne. Voilà, chers fidèles abonnés à Coup de Projecteur, je crois que Botali Image et Lobby à Momoro, ce sont nos confrères et consoeurs à Télé 50. Quelle peine. J'aimerais rassembler. Excellence, c'est un peu relation à Moussala. Vous voyez, donneur de l'essence. Et quel exemple est au PCSUCO? Le comportement est affiché vis-à-vis de Bandeko, au Bazali Nakati. Il y a un peu de temps. Donc il y a un reportage, il y a une présidence, il y a un ministère, tout ça. Sauf que ça télé 50. Fait vert. Mais en réalité, on a travaillé pour qu'on compte à Moutoumou. Vache les tiers. Jean-Marie Gassamba. Conscience professionnelle. Et sur ce côté, il y a eu une deuxième chaîne. Toujours. Pro-pouvoir. Il y a Télé 50. Vous avez deviné. Josué Bolloré. Francine Gembe de la Belgique. Claudine Lipa. Consoeur Nangaï. Yachène Mouroboué quelque part. Na Kongwana. José Kabamba. Il s'agit bien de Digital Congo. Digital Congo aussi. Avec comme PCA. Président du conseil d'administration, c'est-à-dire là je cite Jeannette Kabila, là je cite de nom parce que Jean Bamou Batane Komonae, Peto Yemikeza Yabamou. Comment expliquer, c'est vous qui étiez à la gestion de la chose publique, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo, vous semblez, vous venez que vous défendre les populations, et aux acquis députés. Comment peux-tu accepter? Comment expliquer Jean
y a Digital Congo, Babandina 1, 2, 3, jusqu'à, pour la précision, jusqu'à comment on a arriéré à salaire, il y a 14 mois impayé. Si comme on a Babimina Balabala. Et puis, il y a l'incertitude, il y a Batou Balabo géré Digital Congo. Tantôt, c'est un certain sujet croate, Nicolas. Oyo, Azako Tamboula Nicolas Mibeko, interpellé par les inspecteurs du ministère du Travail. Le rôle Jeannette Kabila, Nabazoé Kabila Bozana Bino, il a refusé de répondre à l'invitation. Voilà, tout bien, on est. À respecter Mboka Obino Bondo Kamba. À respecter Bato Balo Sala, Basala Kimisala, pour l'avantage de pouvoir Nabino. Na libanda ya mutu wana ndeko wana un sujet croate pour atangi komona kombo ya Nicolas toye komona un certain cowboy yene muda sekisinga makasi bandi kwa Digital Congo bazalaki pe bazana kanda ya ndeko wana all in one en moloba, c'est-à-dire une personne, quelque chose qui regroupe beaucoup de choses Nakati na yemoko. C'est ce qu'on appelle all in one. Yemoko wana ce monsieur Lakaboy, asa administrateur na Digital Congo. Yemoko kaka wana azali DG na ACP, Agence Congolaise de Presse, c'est toujours la même personne. Yemoko susu Kaboy azali agent na RTNC, Radio Télévision Nationale Congolaise. Yemoko Lusuka Kaboy, ada chef de travaux na Université Pédagogique Nationale qui est UPN. Yemoko Kaboy, il est colonel na FARDC. Yemoko Kaboy, il est attaché à la présidence. Oh là là. Dans la Congo, on n'a pas de gens intelligents. Kaka Ye Kaboy, azala all in one. Azala everywhere, azala partout. Batumususu, bazala mabumu ya bolate ne bangala balobaka. Batumususu bazala mabumu ya ko lesate. C'est seulement c'est monsieur Lakaboy. Et qui azako mona réclamation ya bajon. Isolé kayé, c'est comme si de rien n'était. Et vous pouvez vraiment nous dire que ce pays était dirigé par des gens consciencieux. Et c'est où? C'était à la chaîne pro-pouvoir. Et ces gens-là que nous, nous envions de loin, parce que nous, nous étions dans des chaînes privées, il y a opposition. Et aujourd'hui, nous avons raté et c'est au Tanga, au Ebite. Tout ça, c'est le Digital Congo. C'est le ras-le-bol. Comme c'est marrant. C'est ça, le pays était dirigé par des gens inconscients. Et qui continuent à être dirigés, je crois. Car il y a un avec l'inconscience. Suivant, on se retrouve juste après. Ça dit tout simplement que là nous sommes venus pour dénoncer l'irresponsabilité et l'immaturité des personnes qui sont en train de diriger Congo, Digital Congo. L'entreprise connaît des sérieux problèmes. Ça fait 14 mois que nous ne sommes pas payés. À côté de ces 14 mois, vous avez une entreprise qui n'assure pas la couverture sanitaire à ses employés. Vous avez une entreprise qui a une adéquation au niveau de l'organigramme. Et vous avez une entreprise qui est dirigée aujourd'hui par un monstre qui a quatre têtes, qui on ne sait pas qui fait quoi.
Vous avez un certain croate qui s'appelle Nicolas Badjon qui se présente, qui veut l'entendre tantôt comme administrateur gérant et tantôt comme associé. À côté de lui, il y a un certain Lambert Kaboy qui incarne aujourd'hui la colère et le désespoir de tous les personnels de Digital Congo. Parce que cet homme est à la fois administrateur à Digital Congo, il est directeur général de l'agence congolaise des presse, ACP, il est engagé à la RTNC, il est chef des travaux à l'Université pédagogique nationale, il est colonel au sein des forces armées de la RDC et il est attaché à la présidence. Lui seul, il cumule tout ça. Même si la boulimie et la gloutonnerie avaient atteint leur niveau le plus élevé, on ne peut pas accepter ça. Alors qu'est-ce que nous avons dit à l'employeur? Nous avons écrit une lettre de manière le plus civilisée possible. Nous avons dit à l'employeur, nous vous proposons qu'on se retrouve autour d'une même table pour qu'on discute des questions liées au fonctionnement de l'entreprise. Et il n'a même pas voulu se montrer civilisé pour accuser, ne fût-ce que réception de notre lettre. Et nous sommes passés à une autre étape, nous avons saisi l'inspecteur du travail pour que lui joue les médiateurs entre nous et l'employeur. Les invitations ont été dûment envoyées et l'homme n'a même pas daigné répondre à l'invitation de l'inspection du travail. Alors nous, on ne peut pas laisser pourrir la situation, nous avons décidé de nous prendre en charge, nous avons lancé ce mouvement radical des grèves, nous allons manifester jusqu'à ce que nous allons recouvrer nos droits. Nalingala lobaboye. Likambo eza koleka awa. Ezali irresponsabilité na immaturité. Yaba ndeko oyo baliko kamba Digital Congo. Ndeko. Ba tata, ba mama o baliko sa na entreprise oyo. Ba sali 14 mois. Ba futa makate. Nani akoko ndima likambo aboye. Yo tika mwasi na yo. Otika bana na yo. Oye, oye ko sala mosala. Po après 14 mois, mutozo sala ya mosala. Afuta yote. Tolobi na mo employeur boye. Tolingi to yokana, to fanda autour ya table, employeur à répondre et bisoté. Toke to founi employeur et pas inspecteur à travail. Inspecteur à travail a convoqué employeur à boi koya. Donc y'a le kola za croate, a moni le kola batomundo wa na tinate, makambo oyo, y'a zosa na Congo, et pas na Croatie, koye ko salamati. A boi invitation wana. Yango biso to lobby, to koye ko tiga moto, a matati na zolo na biso boete. To lance mouvement grève et to manifester, titan to rozo ba solution la ba problème na biso. Ce qui est eu plusieurs mois, Borozala na force. Toza na balabala, tito ko kokisa. Toza na balabala. Ce qui faut to kende, ti na palé de la nation. Ce qui faut to kende, ti, et si kanyo so to kende, to kende. Mobuta bande koloba. Même s'il faut signer un pacte avec le diable pour sauver l'unité et l'espoir du Congo, je le ferai. Bisso, tu as signé un pacte na diable, tu as signé un pacte na yesu na bangelou pour te gagner. Digital les a répété chaîne il y a maman Jeannette Kabila. Est-ce que vous affirmez sa chaîne aye boni kasiye azala ki na pouvoir a koti kangonga mulai boebo ko futa ma. Problème monsieur César yango wana. Parmi ba revendications na bisso to tuni bango. Boye bisso bisso kasi digital ango ezalaka ya nani. Po mundelo ya azali awa ko wato ya azali awa. Azolo ba ke digital les a yé, yé aza associé na digital. Ce qui est compliqué à l'objet ou non, on a la zaka gérant, bon luka moukolo digital. Mais papa, yé bisa biso moukolo digital en la canine. Parmi ma revendication na biso, ce qui est au tangi, totouni bango va expliquer biso structuration entreprise. Digital est à la kayanani, yo mundelo sa la kanani, yo lambert kabo zokolia, ozakolia, ozalaka nani. Ne ba question totouni bango. Mais ma fan disa biso to solo la balobite. Nabiso, nabino, to lingito yé ba digital en finalement, et à la kayanani. Po yé moukolo digital a kondimati kaba tu ba souffrir, ba papa pe ba maman ba 14 mois. Vous allez qu'à bas journaliste ou bien n'a pas cadre, n'a pas technicien comme bas cadre, bas technicien, bas électricien, bas caméraman, bas moto digital Mobimba, digital Congo la Kinshasa, et ça effectif il y a 115 personnes. Sur 115 personnes, 97 personnes bassinées. Ça veut dire que Batunio surtout la digital bassiné. Donc 97 personnes sur 115 ou 120 autres dans la Kinshasa bassinées. Bon, yo batu 97 bassinées, yo kozo bango le quoi botaou ou golo bako ça et l'autre côté. Il faut résoudre ma problème là-bas. Voilà, je crois que Botali Baïma Jouana, comment bande qu'on a vu ça, il y a Digital Congo, Batali Saki Ralbol Nabango, Batali Saki mécontentement Nabango, sur les personnes que je viens de citer, notamment Nicolas, les Croates, qui chez lui, la Croatie a proposé bah, actualité, c'est pour dire qu'ils ont considéré la RDC comme poubelle où tout est permis. Nion soro ça n'a personne n'a tout n'a eu montoya tout nous a pas été montoya pour déranger aux alités. C'est comme cela ne va jouer RDC. Tokei, Tomoni Susu, ils ont parlé sur la personne de Kaboy. All in one, mais c'est tout en un. Nion sona katia moto moro, l'extraordinairement intelligent monsieur.
pourquoi influence ya boye bato mayele na Congo bazati bato mayele na kati ya 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 digital Congo bakoy ko sala ko zo misala musu ya sala zati. Pourquoi est-ce que na mboka na biso toza ko zo bato mususu classe tozo tanga bazo mona na tinate mutu moko ba pesa e plusieurs tâches pendant qu'il y a des chômeurs au Congo bato baza ko réclamer misala. Puis, bah, tout est chômage au matin. Mais mon tout monde, ça y est, 5, 7 tâches. À ce moment-là, je ne sais pas. Mais tout le monde, c'est que même à ta poste, il n'y a pas de vitre. Ne serait-ce que pour à ce moment-là, il n'y a pas de vitre. Pourquoi pas dire? Je ne sais pas, il y a des journalistes, il y a des journalistes. Ils ont couffé, il y a des gens. Parce qu'on n'arrive même pas à faire face à des besoins élémentaires aux familles et aux sénégalais, journalièrement. Quelle honte! Pour la biso, batoto nima musala ya kolobao, batoto nima musala ya kokoma koma. Et suka ki wanate, il y a eu encore un autre mouvement, il y a grève. La chaîne, il y a moutou moko travaille pe kana bonga pouvoir. Aujourd'hui, Lelo il se réclame d'être de l'opposition, mais il a géré un ministère important qui était le ministère de finances et puis akoma ki premier ministre. Là, je parle de la chaîne RTVS1. Nos confrères et consoeurs, il y a RTVS1. La chaîne qui a comme promoteur Adolphe Mouzitu, Mfumumpa. Le Congo a un problème sérieux avec des gens inconscients. La tribune, c'est la bonne rôle qui a battu le fonctionnement. Il y a un mot qui a fait ça. Il y a un raisonné qu'un jour, il y a un mot na batu oyo kotisa na musala na okuna na RTVS nayo so balaka paye to paye parce que je suis en mboka etali ba secteur nyonso et notamment secteur sensible et à information. Les agents ya RTVS 1 ba bimaki na balabala pour plus de 14 mois impayé pekaka fumu. Il y a un comportement ni un politique congolais. Exemple, il y a un Sabiso. Et puis, il y a toujours la gestion de la chose publique. Quelle honte. Il y a un Toyokaka, que Atika a gestion de beaucoup de monde, de Benoît, la femme à Patrick Mouyaya. Toujours selon l'information, la spéculation. Toyokaki, c'est Patrick Mouyaya qui était nassé parce que lui, il est aussi. Journaliste comme nous autres, Aza Moutoua Rose à la porte-parole, Moutoua Rose à gérer, et l'autre on a mal à nous, pour nous sauver, Bandeko, Bassa et Moussa Moro Golaye. Ce n'est pas parce qu'on a un parlement aujourd'hui, à Beau, ça n'a pas si Moussa Nabiso Nengezalaka. Plus de 14 mois, Bassi Nabana Nanaku, et l'autre pour les athées, tous appelés par locataire, faux foot à Bandaku Yabatu, et nous sommes tous les cas. Sous le nez, il y a un colo de chaîne. Totalement. Ni le balobi n'a pas de RTVS. Puis on se retrouve tout juste après. Mais c'est vraiment malheureux. Pour avoir un colo, un gablo, un balotiawana. Parce qu'en réalité, ce qui est dans la structure, paix à la télévision, la chaîne, nous sommes en effet quand même. Toute une multitude de chaînes, une prolifération inutile dans le monde médiatique. Mais ils ont coupé. Kangisa ba norme ya marma télévision total apoto son assimate madame Francine Ngeme de la Belgique maître Freddy Biangandu total ya poto son na plateau. Des agents de la RTVS accusent des arriérés inimaginables de salaire. Certains sont impayés depuis 26 mois, d'autres 18, d'autres encore 17 et 15. Le chef de la délégation syndicale de ce média appartenant à Adolphe Mouzitu, ancien premier ministre de la RDC, confirme ce mouvement de grève en gestation. Voilà, on est là, chers fidèles abonnés à Coup de Projecteur, précisément de la chaîne YouTube. Botali, Baimage et Lobby Amomoko, quelle honte pour la presse congolaise, quelle honte pour le quatrième pouvoir, quelle honte. Soto Lobby ou Toloba, télévision. Vous avez besoin de ma gablo de la télévision. Puis, vous avez besoin de ma gablo de la télévision.
il y a des annonceurs. Tout le monde à la longueur de journée, bah publicité. À tout moment, bambou ou annonceur va payer sa kendara. C'est pour enrichir l'air maboumo, pour qu'ils se prennent bassi et belé. Et puis, ils ont la paix qu'on a Congo. Publicité, net yamasanga. Bah, c'est là où nous avons 7 minutes. Le roi nous avons Benzago, c'est seulement au Congo. Publicité, peu importe, même yamasanga, même y'a cigarette, même y'a bloco colia, bah, c'est là où nous publicité, nous avons 7 minutes. Ils ont les gars à la télévision. Bon, puis ma boîte à la bamboua, papa, y'a bon monde qui m'a gambé, publicité, c'est de l'ouvrir. Publicité, ça la 30 secondes, 45 secondes, mais va foutre à combien? Mais au Congo, moi, na, na place à Iba, racine carrée, ce qui est nini, en haut, le barana, à Iba 1 plus 1 égale combien, ce qui est nini. Moi, na, à maîtriser, na, ba, mon nion sur la publicité à Massanga. Publicité à Massanga, et ça 7 minutes à 10 minutes. Et les gars, dans la télévision, non? La publicité au ESA peut-être na tina te avec la télévision et ça là-bas 10 minutes mais ba annonceur on va foutre à bambou et bambou wana ils ont qui n'a pas push y a ba tbalo géré mbongo y a ba chaîne ils ont qui est straight tout droit et pas y a ba chaîne et y a ba colo chaîne à de tout na kuna écoute déjà combien y a là ngai tinda boy pendant que bateau bazo travailler ni colonio so boutou moi. Azo tout n'était sur ma faute ami, ni sous basoir ma colo, de travailler dans ma chaîne. Dans la chaîne, mon privé sur place là au Congo. Bah bien mon chaîne capon, comme mon chaîne, nous travaillons dans ma condition ni. Je monte en Italie, au mieux que l'imar. Bah bien mon chaîne peut d'accord y mettre. Moi, bah t'en as quoi, moi ni moi signal. Bah tel pire, moi TV moi sur l'examen, sur côté n'a qu'à tout l'éli. Autant le matériel, caméra, au l'éli. Bah particulier monsieur ce mouvement dans la caméra là n'anda kuya n'anda ukapo bana basa kana ngome lekina caméra basa on la chaîne de télévision Adolphe Muzito, Jeannette Kabila, Nicolas le Croate, Kaboy, Jean-Marie Kasamba, vous êtes la honte. Bah Jeannette Kabila kutu tomi kote na ma pembe, elle n'est pas du milieu médiatique. Mais mon rôle à Jean-Marie Kasamba, qui a travaillé, qui a œuvré, au niveau de la France. Pour parler bien au peu français, il y a des gens qui ont travaillé, il y a bien au français. Tu dois avoir la maîtrise, la gestion médiatique de Jean-Marie Kasamba. L'extraordinairement intelligent, je me souviens encore, quand vous avez un bras de fer, un papa Molière. Tu n'es pas à donner de leçons à la média, à la Congo. Et ça se voit même comment la gestion. Comment est-ce que tu as géré bah, journaliste et la chaîne Nayo, tant que Bimil Banda sait que c'est ras-le-bol. C'est malheureux pour de telles personnes. Bah, j'en ai un lobby. Tant que bango baza kolanda bango tant baza ko kole bango étiquette ya présidence ya bato ya Kabila bato ba Shadari bazo ki nous ba risque mais na ba risque ba oso kawana y compris même ba agent ya ba digital Congo ba risque ba zo wana ba étiquette ya Kabila na nzoto parce que ce n'est pas tous les agents ya télé 50 ya digital Congo ne ba voter à Kabila pour mouta ki na voter ki na na isoloir s'isoler pour que la personne le gens ne sache pas il a voté qui. Ce n'est pas tous ces gens-là qui vont voter à Kabila, qui vont voter à Nani, le dauphin. Mais du fait qu'il y a la mort, comme Télé 50, comme Digital, il va s'exposer. Parce que, il y a des gens qui travaillent dans Digital, qui travaillent dans Télé 50, hasard d'office. Dans l'obédience, il y a Kabili. Il y a un risque, non? Mais l'argent, il y a un risque. L'argent, il y a un risque. Je me souviens encore quand j'étais encore au Congo, nous étions partis pour le reportage, il y a commémoration, il y a décès à Musée Laurent Désiré Kabila qui venait dans le mausolée. J'étais parti pour le compte de la chaîne privée. On avait au travail dans Kinshasa. J'arrive, le Banamoura m'interpelle, Balobi que nous avons filmé bâtiment. Parce que le bateau est Congo bien, Kinshasa bien été placé dans le musée. Il y a le palais de la nation, na Sima, ils ont des bâtiments, place bureau et président, ils ont Babinga est là espion, on a eu qu'au filmer bâtiment on a pour des raisons. Bah, parce qu'on a pas raison, on a compris les bâtiments.
Bon, na katia bazoba, mutama ele pas na raté. J'ai vu moko na bango ataki tenuité, ataki ka veste, je crois qui plus gradé que bango, il s'est dirigé vers moi, on est tous à ba discussion. Ba na bazo caméra. Le monsieur se pointe à Tuningaya. Après ça, d'abord bonjour. J'avais compris que j'étais maintenant en face d'une personne intelligente et que je pouvais facilement m'échanger avec lui. À Tuninga, qu'est-ce qui se passe? Na ebi c'est que non, ndeko ba soda, ba obi kenga ko filmer bâtiment pendant qu'il y a plusieurs chaînes de télé na ba caméra ba tubango na ba lo filmer, ba l'hôtel s'appelle Objectif K na côté à ya Nini. Bon, on a évité pourquoi bango ba lo kenga na do filmer bâtiment et puis bakamba zo ba na lo comprendre bango ti. Ils m'ont demandé ma carte de presse na la kisi bango ya chaîne na travail, ya ki chaîne opposition. Mais na moment là, toujours célébrer ezali ma opposition té. Ezali ma télévision. Et puis d'ailleurs, ba futa ki biso ba futi nga monté na ko sala pour na télévision pour l'information. Alaxinga abisinga na komona ba image na fungoli caméra atel ba image. Abisinga est-ce que ko fasse partie? Bon, na comprendre ka zo linga tala esprit na ngai si je pourrais peut-être résister. Na effacer ndamu abina na non. Tika na continuer mon ça na ibisa ke carrément. Ba ina ba mindu ki ba tuba entouré na ibisa ba carrément j'arrête. Je veux plus travailler. Je pars parce que ma foot n'a monté dans la salle pour la salle. Yende, je continue à parler avec nous dans la bici et j'arrête. Parce que ma soda n'a monté dans la bici, c'est que ma chaîne est allée à RTNT, ma chaîne Digital Congo et ma chaîne Télé 50. Pourquoi? Parce que ma chaîne est gérée par le pouvoir. C'est ce qui se passe dans notre pays sur le plan médiatique. Deux poids, deux mesures. Alors, on a un risque sur le plan médiatique de Zouaka. Okende boye o ebite ba foot mbongo to ba foot mbongo te. Et puis le fameux terme o abengaka coupage. Comment voulez-vous quand il y a le coupage na kati ya télévision mutu atana impartialité et information? Parce que mutu ba lo foot a été. Les journalistes se battent na ba reportage. Bazo zela mwantsweke. Moi, 100 dollars, je suis 4 personnes qui sont en Bokabola. Moi, 200 pour vous porter en Bokabola. Je suis privilégié. Et je suis RTNC. Je suis chaîne où je suis en Bokabola. Surtout pour les petites chaînes, je suis en Bokabola. Coupage. Je suis en Bokabola. La conscience professionnelle à respecter l'éthique. Tout simplement parce que ils ne sont pas payés. Alors, et ça, c'est facile. Je suis en Bokabola. Bazali na plusieurs mois impayés. Il y a un autre qui a interpellé le nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. A se rappeler, na ma grand-papa l'obagine bazoué melaye. Le peuple d'abord. Na katia peuple wana, média aussi dans la katia. Ba yebi difficulté ni ba pasaki, lors bazaki na ngamu ya opposition, ba moment na bango ya ba propagande, ko ba na papa na eti na ye. Avec tous les opposants possibles, nous avons accès à la chaîne de la RTNC. Or, surtout, la chaîne de la RTNC est parce qu'ils sont payés. Nous avons contribuables congolais. Ils ont la télévision qui est sur Faleka. Madame Francine Mgame de la Belgique, est-ce que mon salaire est à la TV? Et le salaire, ma penza malam, José Boloa, mon salaire est à Bissot, est-ce que ça respecte? Tout ça a risque, tout travail a risque et péril. Mais, tout ça considéré, c'est seulement à l'étranger. Aux hommes, on a niveau considéré journaliste, tout ça en Afrique du Sud, tout le monde a comment, ma confrère Moussoussou, n'est pas considéré. Je n'ai pas tenté, il y a coupage. Je n'ai pas tenté, je dis bien tenté. Parce que, la fin du mois, plus tard, les 27, les 28, quand on est dans la banque, c'est là qui gala mon message qu'elle a récoltaki. Jean-Marie Kazamba, l'extraordinairement intelligent, le génie de la presse. Moni, au mordre poussière, recadre le tir, après va désavouer on a batunayo. Va interpeller na conscience il y a pasteur Moïse Ekanga. Va lui la bango DG Moussous. Laissons-nous au PSSO Bissot. C'est vraiment malheureux et ce n'est pas un sujet au besoin de Robert Mabou, il y a un sujet à souci, il y a Mawa. Pour nous retenir la guerre, nous savons que nous avons classe aujourd'hui, les lots, basés à foulés aux pieds,
notre travail. Merci à mes chers fidèles internautes, mes fidèles abonnés, nous sur le coup de projecteur, précisément à la chaîne Congo Dialogue. Attention à Bopé Sibiso. Nous avons eu un peu de temps à faire des choses. Nous avons eu Sony, la télévision. Nous avons eu un pas de temps. Nous avons quand même besoin qu'on respecte au moins notre travail. Merci. Les numéros sont affichés. Pour nos suggestions et remarques, Nabino, à tous ceux au bazar disposés pour partager Nabiso, soit pour passer l'émission, n'hésitez pas à appeler tous à disposer pour Nabino. Merci Nabatnu Sobazwa Kingonga. Peli Baku. Yahotel Abiso. Partagez le lien. Partagez pour que tous allez un peu plus suivi, pour que nous arrivions à émettre un peu le plus loin possible analyse autosara, parce que tu sais bien que coup de projecteur et précisément Congo Dialogue. On va vous informer autrement. Merci Madame Francine Guémé de la Belgique. Merci Maître Guilin Kibouane Napopol depuis Kinshasa. Merci Maître Freddy Biangando à Paris. Merci Eric Zaza, Cape Town. Merci Francine Ngoy, Johannesburg. Merci Odette Likombi, ma fille, depuis Marseille. Jojo Mboli, mon fils. José Mboli, mon jeune frère. Merci Didi Dirto Congo. Merci Jordan Mwamba, depuis Johannesburg, ici à Santon. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye.